C'est le lancement officiel des clubs d'intégrité, qui est un mouvement anticorruption visant la promotion de la culture de l'intégrité dans le pays. Le club d'intégrité du Collège canado-haïtien est représenté par ses membres. Omar Floristal, élève de secondaire 4, Carl Desjean, élève de secondaire 3, Berlansa Bellevue, élève de secondaire 2, Jerry Locher, élève de secondaire 1, Sabine Antillon, élève de secondaire 2, Cédric Wilson Darius, élève de secondaire 4, Aïna Chérubin, élève de secondaire 3, et avec vous au micro, Whitney Emmanuel Henry, élève de secondaire 2. Le thème à débattre est le suivant: éducation et corruption. L'éducation, selon le dictionnaire Larousse, est l'action d'éduquer, de former, d'instruire quelqu'un. Et la corruption, comme l'action de corrompre, de soudoyer quelqu'un. Tant vaut l'école, tant vaut la nation, dit un vieil adage. L'objectif fondamental de l'éducation est la formation des citoyens d'une nation. Pour qu'une société soit juste et équitable, il faut qu'il y ait une bonne éducation. De ce fait, l'école devrait se donner la mission de former des hommes et femmes honnêtes, crédibles, intègres, utiles au développement de notre pays. Comme quelqu'un l'a si bien dit, l'intégrité, c'est la qualité de toutes les qualités. C'est le respect de soi. Nous aurons au cours de cette causerie à développer la thématique éducation et corruption en 4 sous-thèmes. 1. Culture de l'intégrité en milieu scolaire. 2. Risque de corruption en milieu scolaire. 3. La fraude et la tricherie comme pratiques les plus courantes en milieu scolaire. 4. Les recommandations pour combattre les fraudes académiques. Dans toute société établie, chaque monde a un rôle à jouer dans l'avancement et la réalisation du projet qui est pour faire. C'est peut-être ça, nous avons 8 panélistes avec nous qui pourraient présenter nous ce qui est à la corruption dans les milieux scolaires. Nous avons Sabine qui pourrait nous donner thématique causerie. Des gens qui sont bien présents avec nous qui sont modérateurs. Berlansa Bellevue qui pral dit nous qui ça qu'il tient intégrité dans toute intégralité. Aïna qui pral présenter nous plagiat et tricherie. Omar qui pral ban nous quelques recommandations contre fraude académique. Nabien Honé pour président nous conclure causerie ça à nous. Ensuite, nous te nous Whitney qui te fait salutation usage. Nous voulons avoir une Haïti où l'intégrité règne en maître. Nous voulons avoir une Haïti où l'intégrité règne en maître. Je fais suite à Sabine pour la problématique. En se basant sur la définition de l'éducation et la corruption, exposons les problématiques et leurs solutions. Qu'est-ce que l'intégrité en milieu scolaire? Quels sont les risques de corruption en milieu scolaire? Qu'est-ce que le plagiat et la tricherie? Quelles sont les recommandations pour combattre la fraude? Maintenant, on passe le micro au coordonnateur. J'aimerais débuter avec cette citation très instructive de Saint-Just, homme politique français, qui a dit « Les institutions sont la garantie du gouvernement d'un peuple libre contre la corruption des mœurs et la garantie du peuple et du citoyen contre la corruption du gouvernement. » Thème ça qui c'est éducation et corruption composé de 2 mots-clés. Et chaque mot-clé ça yo très vaste. Donc l'idée paraît un peu impossible pour en quelques minutes pour nous débattre 2 thèmes ça yo ensemble. Donc c'est peut-être ça pour nous t'es qu'à arriver faire ça, nous diviser yo en 4 sous-thèmes plus précisément. Et c'est avec nos amis nous Bellevue Berlansa qui a bien honneur pour commencer avec premier sous-thème là qui c'est
Qu'entend-on par culture de l'intégrité en milieu scolaire? Avec votre attention, belle vue en quelques minutes. Merci les gens pour la parole accordée. Tout d'abord, commençons par la définition de l'intégrité. Qu'est-ce que l'intégrité? L'intégrité est une valeur humaine très appréciée dans la société qui aide à agir avec honnêteté et respect, ainsi que d'être fidèle à nos valeurs et prendre des décisions justes. L'intégrité a permis de nous faire ça qui est juste, ça qui est bon. C'est ça que fait les hommes intègres, qui ne participent pas dans ça qui est mal, tant que corruption. Ils agissent avec respect, avec droiture. Dans le cas de Simon, ils aident à contrôler l'action lieu pendant la prendre bonne décision pendant toute la ville. Dans le cas d'élèves, ils permettent d'appliquer les valeurs citoyenneté, probité et pour morale. Pour revenir à notre aspect, la culture de l'intégrité en milieu scolaire permettra l'établissement du respect, de l'honnêteté à travers les actions que les élèves auront à produire tout en ayant un respect. En guise de conclusion, l'intégrité est une valeur qui nous permet d'être juste, humble et propre tout en ayant un respect. Belle vue Berlensa qui nous a fait le point sur ce que c'est la culture de l'intégrité en milieu scolaire, où nous avons des valeurs morales et sine qua non à respecter. Je ne sais pas s'il y a des personnes au sein même du panel qui auront des suggestions ou des notions additionnelles. Dans Berlensa, ce qui fait nous connaître qui ça cultive l'intégrité dans le milieu scolaire, nous avons juste ajouté une citation ça, qui dit: l'intégrité, c'est la qualité de toutes les qualités. C'est le respect de soi. Passons à présent à la seconde problématique, dans laquelle nous serons éclairés sur les risques de corruption les plus présents en milieu scolaire. Et celui qui aura l'honneur de développer le second thème, c'est-à-dire les risques de corruption en milieu scolaire, c'est notre cher ami Jerry Lochor. Merci déjà. Pour commencer, comme Jean-Jacques Rousseau l'a dit, l'homme est né bon, mais c'est la société qui le corrompt. De nos jours, la corruption est partout. Même l'éducation qui est simple et pure n'est pas épargnée dans ce système corrompu. Aujourd'hui, nous allons aborder comme sujet les risques de corruption dans le milieu scolaire. Nous pouvons souligner la tricherie et le plagiat qui sont les plus connus, ainsi que les pots de vin, etc. Les élèves prennent souvent ces risques sous prétexte de vouloir réussir leurs examens sans sacrifice, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leurs études s'ils sont surpris en flagrant délit. Ce problème porte aussi sur les professeurs. Il y a une histoire courte. Il y a un professeur qui prépare un examen pour vendre l'élève. Il y a une partie qui a conscience, pas acheter. L'autre partie acheter lui parce qu'il voulait réussir. Sans y pas réfléchir, s'il n'est pas de bon. À la fin, tout ça qui dépend pour lui n'est pas passé. Pour flatter lui, faire profit sur les vieux et les vieux devaient réussir. La leçon de l'histoire, c'est qu'on ne réussit pas sans sacrifice, c'est-à-dire étudier en tant qu'élève. Les versements de pots de vin de la nomination, qui c'est une dans bagaille le ministère de l'Éducation nationale là, bien connaît. Une offre d'éducation médiocre de la part des élèves, non, de la part des professeurs aux élèves, suite à des problèmes de salaire. En peu de mots, ils n'ont pas payé, ils n'ont pas travaillé. Ou bien ils allé à l'école là, ils ont écrit des phrases pour eux. Ils ont eu un devoir pour toute année si ils n'ont pas payé. C'est ça, professeur a gagné en tête. En fin de compte, pour éviter ces genres de risques inutiles chez les élèves ou les professeurs, ce qui nous mène à la dérive, nous devons respecter les normes, les règles dans les écoles, ainsi que dans la société, parce que ça peut avoir des conséquences désastreuses à l'avenir. Merci pour votre écoute. Donc, Lochor saute énoncer nous tout risque que nous-mêmes en tant qu'élèves, et pas que élèves seulement, mais professeurs tout, qui dans le milieu scolaire là, que nous sommes capables de rencontrer, qui permettent de nous tomber dans la corruption. Donc, est-ce que il y a un monde, toujours parmi le panel, qui a ajouté des notions complémentaires? Si
Sous ça, le chanté diable, tu voulais ajouter que paresse, c'est un risque de corruption milieu scolaire, avec un manque de surveillance. Si on va surveiller Timouna, si on va voir mon cap pousser, ça va arriver que Vingé paresse. Et là, Vingé paresse là, tout Timouna voulait réussir, il va venir tricher pour le réussir. L'autre chose, c'est de faire deuxième sous-thème, non? Et on va nous passer dans troisième sous-thème, non? D'armes énoncer tout que, hormis le fait que Bellevue dit paresse, nous avons plagiat avec tricherie tout, qui c'est des pratiques très courantes en milieu scolaire. Et justement, c'est Chérubin Aina qui pourra développer sous thème ça, en quoi le plagiat et la tricherie sont considérés comme pratiques de fraude les plus courantes en milieu scolaire. Et pour commencer, on peut donner une définition simple pour la tricherie. Comme étant un choix éphémère qui ruine notre réputation à long terme. De même pour le plagiat, on peut donner une définition simple. On peut le définir comme étant un acte de vol de la créativité d'autrui et comme une trahison envers notre propre potentiel. On dit que la tricherie et le plagiat sont des raccourcis vers le mépris de soi et la dévalorisation de son parcours académique. Cela veut dire que c'est un manque de respect envers soi-même. Cela met en lumière les conséquences non seulement sur le plan éducatif, mais aussi sur l'intégrité personnelle. Avant de nous donner quelques exemples sur la tricherie à plagiat, profitons de dire que la tricherie peut nous donner une illusion de réussite, mais elle nous vole la satisfaction authentique de la victoire bien méritée. Qui ça lui veut dire? Ça veut dire qu'il ne permet pas de ressentir la satisfaction réelle liée à une victoire. Léon Moun a copié pour lui joindre une bonne note, il cherchait un moyen pour lui contourner l'apprentissage réel là et compréhension approfondie. Même si les résultats peuvent sembler positifs, le véritable sentiment de réussite est basé sur l'effort, la compréhension et la persévérance sont perdus. Dans la majorité des institutions, le plagiat et la tricherie sont très désaxés. On nous prend quelques exemples simples pour plagiat. Un professeur a un devoir. Élève là lui-même, ça a rien pour le faire. Il est arrivé là, il est monté sur un site web, il a écrit tout ça, il a joint sur le site dans le cahier. Dans demain, il est arrivé dans la classe là, le professeur a demandé la source de voix là, il n'a pas admis pour lui dire que c'est sur le site web là, il fait de voix là, il dit que c'est lui-même qui fait à propre tête lui. Mais on a un exemple qui est plus simple toujours, que Timounio fait plus souvent. Professeur n'a pas un devoir. Timounio n'a pas fait li dans la classe là. Ça, il est pour le faire. Il cherche Timounio dans la classe là qui fait devoir. Il copie li et puis il porte le bail professeur. Il dit professeur, c'est lui-même qui fait. Mais il ne pas admettre que c'est copié, il copie sur l'autre élève là. Comme nous baillons exemple pour plagiat, nous prenons exemple tout pour tricherie. Exemple tricherie est très courant. Premier exemple nous baillons pour tricherie, c'est notre période d'examen. Nous élèverons les amis pour lui bailler réponse à un exercice. Pour lui mettre une feuille bouillon et puis pour copier toute notre feuille d'examen par lire. Ça nous a dit son cas de tricherie. L'autre exemple qui est plus courant encore, non ça l'examen, un professeur a conteste, il dit pour tout le monde rentrer livre, cahier, document dans valise et puis si monde n'a râlé cahier dans valise li, il mette l'en bas banc pour lui copier. Ça ti moun fait plus souvent. Nous a dit son cas de tricherie tout. Pour finir, la tricherie et le plagiat en milieu scolaire sont des comportements inacceptables qui sapent l'intégrité académique. Ils ne compromettent pas seulement l'apprentissage individuel,
mais aussi la confiance au sein de la communauté éducative. Lutter contre ces pratiques est essentielle pour garantir un environnement éducatif et éthique. Elle vient de nous édicter les raisons pour lesquelles le plagiat et la tricherie sont considérés comme pratiques de fraude en milieu scolaire. Cette affaire de plagiat et de tricherie sont des choses très graves parce que lorsque nous prenons un exemple, il y a un élève qui pourra le composer dans demain, il gagne tout le temps pour l'étudier. Au lieu de l'étudier, il prend temps ça pour l'écrire tout sac dans le livre, soit pour le faire photo ou bien pour l'écrire dans un petit bout de papier. Donc ça, c'est vraiment grave. Donc, par contre, si il y a un monde parmi le panel qui a réagi sous sa chérie bien sûr. Élève souvent, yo vle passer sans pas consentir aucun effort et passer avec aide dans l'autre monde pas gagner aucune gratification là-dedans. Il y a trois monde qui sont développés trois sous-thèmes yo qui pour dire nous la culture de l'intégrité qui ban nous les risques de corruption en milieu scolaire et parmi yo nous gagne la tricherie et le plagiat. Certes, yo dit nous ça yo dit nous qui gens nous capable rencontrer avec yo. Mais il faut que nous connaissions tout, qui gens pour nous combattre. Et pour nous combattre, nous avons Florestal Omar pour dire nous qui recommandations que nous avons gagné en milieu scolaire pour nous combattre la corruption. Pour combattre les fraudes académiques, le Club d'intégrité du Collège canado-haïtien propose trois solutions. Premièrement, prévention bon côté élèves et compréhension bon côté parents. Ça veut dire, élèves yo doivent étudier, comme ça tout, parents yo doivent retirer gros coquin chaîne pression, yo souvent mettre sous d'autres timon yo. Deuxièmement, c'est cultiver intégrité dans l'école yo, même Jean Collège Canada haïtien à lycée national Pétionville fait ça avec création club intégrité dans tout de l'école yo. Et pour finir, rendre l'éducation moins stressante et plus apprenante. Comme le dirait Michel de Montaigne, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Sans application proposition Silao, combattre corruption dans la société a depuis l'école yo, pas privé fait. Merci. Parmi tous élèves qui la yo, vu que ça puisse concerner nous, que toute recommandation ça yo, nous pouvons pratiquer yo et n'a fait moins corruption. Et ça veut dire, nous pas n'a fait moins tricherie dans l'examen yo. Là yo, ben on devoir n'a fait. Non, mais espérez ça, vu que c'est objectif dans ça. Donc, après tant de minutes que nous avions fait en train de discuter sur cette causerie, je sais pertinemment que vous aviez des questions et malheureusement nous ne pourrons prendre que deux maximum, donc nous faisons place au public avec deux interventions ou deux questions. Mais comment nous-mêmes nous pouvons mettre en tant que club d'intégrité que nous pouvons mettre nous pour nous capables aider l'autre pour nous capables surveiller et mandé pour ne pas faire corruption ça. Qui ça nous va le mettre en place? Comment nous va le faire travailler ça? Avant que nous répondions à la question, vous êtes? Excusez-moi, je suis Madame Cécilien, la directrice administrative et financière de l'unité de lutte contre la corruption. Pour nous faire l'arrivée sur tout étendue du territoire, nous avons pour nous faire des séances de sensibilisation. Et nous avons tout pour nous faire mon yo, parler, bagayon l'autre gens et montrer qui gens ça belle les intègre pour gagner une société capable de développer. Ma première aussi est panélisio du fait que nous t'ai modéré non. Ma première aussi est public là du fait que nous t'ai chita jodi là pour nous t'ai tendre causerie ça sur l'éducation et la corruption et moi t'ai content avec nous. Souhaitez-nous une bonne fin de journée. Mais avant nous finir, n'a passé le président dans la conclusion. Alors, qui ça qui réunit nous aujourd'hui? C'est lancement club intégrité, mais c'est surtout deux mots, éducation et intégrité. Nous avons défini éducation et corruption. Nous avons défini corruption comme étant le fait que nous avons changé ordre naturel en bagaille. Depuis nous avons changé en ordre naturel, nous sommes d'accord qu'il y a corruption, il y a mauvais état. Et comme dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Et l'ULCC l'a compris.
Li comprennent ni parce que li mettent dans l'école yo des clubs d'intégrité. Intégrité, ce mot qui est si simple mais d'une signification importante. Li mettent des monde honnêtes comme Whitney Vindil pour nous c'est des modèles, des exemples à la fois par action nous et par message n'a porté. N'a pas d'accord que ni tricherie ni plagiat pas de place dans l'école. Comme dire monsieur Aspil, ah, il y a pas ça au collège. Mais nous, même si nous reconnaissons que nous là, mais nous portons des recommandations, c'est-à-dire la prévention, la sensibilisation et la compréhension. En tant que jeunes dans ce siècle, nous ne pouvons pas arrêter simplement à chiter à garder. Il faut que nous agissions. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des protecteurs. Nous devons porter un message de moralité, nous devons porter un message d'intégrité, nous devons des agents de la poursuite, nous devons des inspecteurs de l'éducation et aussi des inspecteurs de l'ULCC. Et je remercie des gens qui étaient très autoritaires comme modérateurs et qui permettent de me passer plus que 3 minutes. Je remercie les panélistes qui ont développé tout aspect et thème avec nous. Et je remercie surtout, cher public, ce n'est pas uniquement une chita attendez-nous, mais chita attendez-nous pour comprendre que l'EA, ce n'est pas seulement unité de lutte contre la corruption qui est pour faire, ou même ministère de la Justice, c'est vous-même, en tant que jeune, dans l'école, dans la communauté, qui vous posez des pierres. Et c'est Pierre Sao qui a fait ça dans la ferrière, et c'est Pierre Sao qui a fait Haïti. Je vous rendez-vous le 9 décembre 2023, qui est la journée internationale de la lutte contre la corruption. Mais avant, je souhaite que dans tout côté bien corrompu, nous démasquions.